Il est évident que nos diplômés vont évoluer dans un monde en perpétuelle mutation. Ces mutations, elles se signalent déjà, elles sont nombreuses. Peut-être que la première d'entre elles, c'est la révolution digitale, parce qu'elle transforme tout. Elle transforme d'abord tous les métiers, et donc nos diplômés vont évidemment avoir à intégrer, ils l'ont déjà fait, ces changements. Cela signifie aussi un monde où les métiers vont changer perpétuellement, il faudra savoir s'adapter. Parfois, cette affirmation-là fait un peu peur, mais en réalité, elle est pleine d'opportunités et elle montre que nos diplômés pourront à la fois exercer toute leur liberté, tout leur sens de l'adaptation, mais aussi tout leur sens de l'humain. Parce que, évidemment, l'autre grand défi du monde dans lequel ils vont travailler, c'est d'être un monde durable, un monde où on se respecte, un monde aussi où on respecte les ressources naturelles. Dans les compétences de nos élèves, il y a beaucoup de choses. Peut-être que celle qui commande tout le reste, c'est la compétence de liberté, le sens de la liberté. Le cursus à l'ESSEC est caractérisé par une grande possibilité de choix, une grande variété d'expériences. Chacun de nos étudiants ou chacune de nos étudiantes a eu une vie particulière, un parcours particulier. Et donc, évidemment, ceci commande ensuite plein de choses. D'abord, une force en matière de valeur, mais aussi une force en matière de compétences techniques. Ce qui fait que le sens de l'adaptation, c'est aussi évidemment ce qui caractérise nos étudiants. La grande différence de l'ESSEC, c'est que c'est peut-être au XXIe siècle une des institutions d'enseignement supérieur à une échelle internationale les plus adaptées à ce que l'on peut attendre pour la recherche et la formation. Non seulement en matière de management, qui est notre but fondamental évidemment, mais de façon générale pour former des jeunes à être des personnes libres et adaptées au monde dans lequel ils vont travailler. C'est pourquoi cette particularité de l'ESSEC, c'est d'abord de donner un grand choix dans le parcours des étudiants. Mais l'autre grande particularité aussi, c'est de cultiver l'excellence. Non pas une seule forme d'excellence, mais une diversité d'excellence, parce que les besoins sont considérables en personnes qui ont le sens des responsabilités aujourd'hui. Le grand conseil que l'on peut donner évidemment à une promotion qui vient d'être diplômée, comme la promotion 2014, c'est d'être elle-même, c'est que chacun et chacune soit elle-même. Chaque personne est une personne unique et il faut cultiver cette diversité. C'est la diversité des personnes, la diversité des cultures. Et ça suppose à la fois faire son chemin, utiliser tous les outils qu'on a eu à l'ESSEC pour faire ce chemin, être capable de faire des essais, des erreurs, prendre des risques et avoir le sens de l'humain, c'est-à-dire de respecter les autres, puisque si on veut affirmer sa propre personnalité, il faut aussi respecter la personnalité des autres.